Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Vaucelles pour le trail des moines de l'abbaye de Vaucelles. Donc programme 25 km et environ 250 de D+. Le départ est prévu 15h. Donc il va faire chaud parce qu'il fait déjà 29 degrés. Là. Donc on va aller se préparer et on se rejoint sur une ligne de départ. Au départ, j'ai retrouvé Xavier, on a fait le trail du 2B, le trail du caillou ensemble. Hein. Et on fera un petit peu de kilomètres ensemble aussi. Bientôt le départ, on va y aller. Bon, j'ai retrouvé aussi Philippe, un ami Strava. On va faire la course ensemble. Et c'est parti. Bon les gars, bonne course. Bonne course les gars. Merci d'avoir répondu ce qu'on veut, faites attention à vous, vous suivez. Merci à Tom pour le métier des volets, merci à vous tous les gars, merci à vous tous d'avoir répondu ce qu'on veut maintenant. Allez, là, je vous montre un petit peu, je vous fais de chauffer les cuisses. Tu démarres par une côte. Petit démarrage en côte. Comme fun. Je pense qu'on va rejoindre le canal là. Bon, on a rejoint le canal. Toujours avec Xavier derrière. Philippe devant. Ça va, il fait pas trop chaud. Bon, on est toujours loin du canal, une grande portion, ça fait déjà bien 1,7 km qu'on est dessus. Je pense qu'on va juste au pont là-bas. On saura s'il pleut. Bon, on sort enfin du canal, on a bien fait pas loin de 3 km le long du canal, c'est un peu long. Et là, on rejoint la route. Hop. Ça, c'est les chauguettes. Elle a été rénovée il y a pas longtemps. Les chauguettes de l'abbaye de Vaucelles. Et là, je suis avec. Paul, la confrérie des Baudets. Le trail de Saint-Gobain. Bon trail ça. C'est ça. Ouais. L'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, je serai peut-être là. Bah, il faut. Bon, bah, allez. Bonne course. Ouais, toi aussi. J'attends le camarade. Bon, bah, à la prochaine. Tu ralentis? Ouais. Allez.
Bon, un petit passage dans les vergers. Toujours avec Xavier. Toujours là. Encore là, mais plus pour là. Voilà, normalement, on va rejoindre l'abbaye pour le premier ravito. Prévu au 7ème kilomètre. Ouais, plus beaucoup. On est à 6,2. Et puis, c'est bon, on continue. Il fait bon. La bonne température. Ah là, c'est nickel. Pas trop de soleil, hein, c'est bon. C'est nickel. Allez. Comme le résultat de la semaine passée en plein après-midi, je te dis pas. Ouais. Ça aurait été chaud, là. Et les moines, ton copain, il a pris une photo avec. C'est des vrais ou c'est des gars déguisés? C'est des gars déguisés. Voilà. Ah. T'en as plus de moines à te danser? Non, je crois pas. Non, non. C'est bon, toi? Petit passage en forêt? C'est de pas se ramasser. Bon, on entend le speaker, mais c'est pas l'arrivée. Hein. C'est la première boucle. Bon, on va essayer de pas. Je vais accrocher la caméra pour me vautrer. C'est passé. Bon, nous on marche pas en cours. Bon, apparemment on va arriver au premier ravito. C'est ici que ça sortait le barbecue tout à l'heure qu'on est arrivé. Ouais. Le jardin de l'abbaye. Ah, c'est sympa, hein, c'est bon. Bien entendu. Ah mais bon, il y a rien de faire. Droit, tu vas mettre un petit peu de l'eau. Ah ouais. Ce ravitaillement, bravo à vous. Allez, premier ravito. C'est bon, c'est frais. Ça c'est bon, ça j'ai pas besoin de tonne. Tu m'étonnes. Alors on zigzag là. On zig, on zag pour visiter. J'aurais pu vous faire descendre dans le cellier. Hein.
c'est par où là? À gauche. À gauche. À gauche. Bon courage. Je pense que c'est un étang à côté. Un étang ou... Tu m'arrêtes? C'est sympa par ici. Ah, c'est du bonheur. Ouais. Bon, les marcheurs sont sur le chemin qu'on était tout à l'heure, le bord du canal. Bon, maintenant que le premier ravito est passé, bah on est tout seul. Voilà. Plus personne devant, plus personne derrière. Seul au monde. Si, il y a des marcheurs hein, et des coureurs. Coureurs du 7, je pense. Font même parcours comme tout à l'heure. Neuf bornes. Allez, 9 bornes en 1 heure tout pile. C'est pas mal. Et effectivement, le dénivelé est bon. 50 mètres. Faut pas se prendre la marche. Oh là, ça bouge. Le truc qu'il faut mieux pas prendre en courant. Hein. Tu veux pas te retrouver à la flotte. Bon bah. Petit point sur la course. 10 km. Avec seulement 57 de dénivelé. Ça c'est du dénivelé. En 1h07. Donc ça va. Toujours Xavier. Et là, on est revenu dans le bois. Bien les petits passages comme ça. La première vraie bosse pour moi.
les cours. Descente. On met 12,2, on arrive au deuxième ravito. Et jusqu'ici tout va bien, continue. Allez, 13e kilomètre, donc Xavier a décroché un peu, donc je pars seul, on continue. Pour l'instant tout va bien. Petite côte. Ça 3 kilos. Bon, pour l'instant, dénivelé, on n'est pas beaucoup. Hein. 128 mètres. Chez l'homme petite, qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Ils avaient annoncé 200-250. Donc, on verra bien. Sinon, on est au 13,2 km. Bon, 1h35. Je suis content de moi. Si on continue comme ça jusqu'à la fin. Bon, 15e kilomètre, en 1h44, avec 146 de dénivelé, beaucoup. Là, c'est une grande portion dans les champs, ligne droite, puis dehors. C'est un peu long. Heureusement que la météo est bonne, qu'il n'y a pas de soleil tout cassé, parce que ça aurait été dur, mais là, c'est bon. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Et plus que 10. Donc, on continue comme ça. Allez,
Bon, 17ème kilomètre. Depuis tout à l'heure, c'est une grande boucle dans les champs, comme ça. C'est un peu long, mais bon. Ça va encore. On devrait rejoindre la route qui mène au ravito. C'est un sens inverse de tout à l'heure. Donc voilà, il reste 8 km. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on continue. Bon, je viens de passer le 19ème kilomètre en 2h11. J'ai eu un petit coup de moule, je viens de prendre un gel, j'ai droit depuis tout à l'heure, je crois, j'ai pas marché. Donc il commence à taper. Donc il en reste plus que 5, 6. Donc ça va aller. Allez, bon, dans 2 km, il y a un ravito. Bon, on vient de passer le 20ème kilomètre. Normalement, le ravito doit plus être loin. C'est le chemin inverse qu'on avait pris tout à l'heure en sortant du ravito. Donc là, il doit être moins d'un kilomètre. Et après, il en restera 4 jusqu'à l'arrivée. Troisième ravito, 21ème, et après plus 4. Bon, on est revenu dans le bois, proche de l'abbaye. Donc il reste plus beaucoup de kilomètres. On a vu une bonne bière de l'abbaye au ravito, ça fait du bien. Là sur les. On a croisé pas mal de marcheurs. Et là on arrive sur la fin. Donc allez, c'est parti pour les derniers kilomètres. Le mec qui marchait. Putain merde. Ah, tu devrais courir. Ma femme que je marche pas. Regarde, en plus je vois ton dossard. Oh la vache, tu vas nous flouter. Ah c'est lui qui marche, il me retient, regarde. Ouais, bon, 23ème kilomètre. On est revenu dans l'abbaye. Donc l'arrivée, le reproche. Petit tour et on est arrivé. Allez, comme d'habitude, j'ai filmé jusqu'à l'arrivée. Super marche bleue, tout droit, bravo. Allez jusqu'au bout, responsable du corps au podium. Bon, ça c'est fait.
Alors, le trail avait lieu au hameau de Vaucelles, près des rues des Vignes, et c'était organisé par l'association Bien dans ses baskets à Tilloy. C'était leur première édition, et pour cette édition, il y avait 3 distances de trail, 7, 14 et 25 km, et 2 distances de marche, 7 et 14 km. Pour le 25 km, j'avais payé le dossard 22 euros, et en cadeau, on a eu donc un tour de cou, l'effigie du Trail des Moines. Et après, on avait le choix entre soit une bouteille de bière d'un litre à peu près, de l'habit de Vaucelles, ou une médaille. Donc moi, j'ai choisi la médaille, qui est là. Ça serait bien, s'il y a une deuxième édition, une médaille en thème avec le trail, avec un moine ou l'habit, un truc comme ça, pour la collection, c'est beaucoup mieux. Sinon, on avait aussi un ticket pour, à l'arrivée, boire une bière de l'abbaye. Au niveau du parcours, donc il y avait 3 ravitaux. Un au 7, un au 12 et un au 21e kilomètre. Donc il y avait tout ce qu'il faut. C'est bien, 3 ravitaux pour 25 km, c'est pas mal. Donc c'était des petites bouteilles d'eau qu'il fallait soit boire tout de suite ou pour remplir les gourdes. Et on ne pouvait pas les emmener sur le parcours. Donc ça évite les déchets partout. Donc c'est pas mal. Sinon, il y avait tout ce qu'il faut dans les ravitaux habituels. Il y avait même des compotes au deuxième ravito et au troisième, on avait mis de la bière. Donc c'est pas mal. Le parcours, sinon, était facile, enfin, si, il était roulant, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé, il y avait à peine 200 mètres de dénivelé. Ça débutait par une partie le long du canal, il y avait environ 2-3 km dans l'herbe, c'était plat, c'est pas mal, c'est la nature, c'est pas mal. Ensuite, il y avait une partie de route de 2-3 km, c'est les seules parties de route qu'il y avait sur le parcours, après il n'y en avait plus. Après, on passe dans l'abbaye, dans le bois autour, dans les jardins, c'est la partie la plus belle. On y passe plusieurs fois et là, c'était pas mal dans le bois. Après, il y a une partie un peu plus longue entre le deuxième ravito et le troisième. Il y a une partie d'environ 8 km où là, c'était une grande boucle dans les champs. Donc, c'était long quand même. On a eu de la chance parce que la météo était bonne. Parce que s'il aurait fait très chaud, on aurait cuit. Et inversement, s'il y avait eu de la pluie ou du vent, ça aurait été dur aussi. Donc s'il y a une partie du parcours améliorée pour une seconde édition, ça serait celle-là, soit la changer ou l'améliorer. Et ça serait pas mal. Sinon, comme d'habitude, je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à la course. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Le prochain trail, ce sera le trail de la Citadelle, où je serai sur le 21 km. En attendant, vous pouvez laisser un petit commentaire sur ma vidéo, liker, et surtout, si c'est pas fait, vous abonner, c'est très important. Ça coûte rien et c'est très important pour la chaîne, pour la diffusion des vidéos. Voilà, à bientôt.